il est engagé dans tout un processus cinématographique qui est l'œuvre de Minelli. Et la grande idée de Minelli sur le rêve, il me semble, c'est pas, c'est que le rêve concerne avant tout ceux qui ne rêvent pas. Le rêve de ceux qui rêvent concerne ceux qui ne rêvent pas. Et pourquoi ça les concerne ? Parce que dès qu'il y a rêve de l'autre, il y a danger. À savoir que le rêve des gens est toujours un rêve dévorant qui risque de nous engloutir. Et que les autres rêvent, c'est très dangereux. Et que le rêve est une terrible volonté de puissance. Et que chacun de nous est plus ou moins victime du rêve des autres. Même quand c'est la plus gracieuse jeune fille, c'est une terrible dévorante, pas par son âme, mais par ses rêves. Méfiez-vous du rêve de l'autre, parce que si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutu. Bon, ne soyez jamais pris dans le rêve de l'autre. Alors, vous comprenez, quand on a une idée comme ça, la question n'est vraiment pas de savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. La question est de savoir si elle est importante, intéressante et si elle est belle. Et c'est la même chose en science, c'est la même chose en philosophie, vous savez. Thank you.
not your fault. I know. No, no, you don't. It's not your fault. I know. It's not your fault. All right. It's not your fault. It's not your fault. Don't fuck with me. It's not your fault. Don't fuck with me, all right? Don't fuck with me, Sean. Not you. It's not your fault. Oh my God.